Salut mes chers viewers, c'est Saïb et donc aujourd'hui bienvenue pour un tout nouvel épisode de No Man's Sky, donc l'épisode numéro 26 ou 27, je ne sais plus, mais bon en tout cas voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode de No Man's Sky, ça faisait longtemps, et donc aujourd'hui bah voilà tout simplement je suis en train de me diriger vers une anomalie spatiale, voilà, parce que tout simplement, j'ai... Oh non, pas eux, mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font là eux encore? Parce qu'en fait tout simplement voilà, j'avais un petit peu scanné le système stellaire, juste histoire de voilà, de découvrir de nouvelles choses. Mais en général maintenant c'est que les anomalies spatiales que je retiens, parce que le reste, enfin je m'en fous un peu. Ah ils sont trois, d'accord. Bon pour une fois qu'ils viennent en nombre, c'est pas mal. C'est pas mal, comme ça ça fera avancer les succès un petit peu. C'est. Oula, oula, oulala. Alors par contre vous allez vous calmer direct avec moi, parce que. Si vous maltraitez mon bouclier... Attendez, je vais le recharger direct. Appeler direct. Voilà, super. Il est où le deuxième? Il est là, il est là. Il est juste ici. Par contre, faut que je vise. Hein. Ce serait peut-être pas mal, parce que si je tire à côté, ça va pas trop le faire. Tac, tac. Et de deux. Et le dernier. Bon, normalement, on va pas recharger le bouclier. On en aura pas besoin. Tac. Voilà. Hop. Toi, tu meurs. Pareil. Voilà, parfait. Bon. C'est parfait tout ça, j'ai toujours pas eu le succès criminel, je sais plus quoi là. Mais en tout cas, on va se diriger du coup quand même vers l'anomalie spatiale qui est... Où c'est qu'elle est l'anomalie spatiale? Ah, elle est là, elle est juste ici. Ok, bon on n'est pas si loin d'ailleurs. Je vais juste attendre un petit peu que j'ai mes trucs là qui me livrent... Oh j'avais du chromium ici. Putain, ça vaut cher ça quand même. Ça vaut... Ouais ça vaut... 35 000 unités, c'est pas mal. Tac, donc j'espère que je vais avoir mes trucs quand même, ce sera peut-être pas mal. Ok, anomalie spatiale. Donc du coup, les anomalies spatiales, pour résumer un petit peu la chose, c'est quelque chose du coup, bah, comme vous le savez, hein, qui nous permet... ce sera peut-être bien que j'avance. Qui nous permet d'accéder à un trou noir. Et le trou noir... Ah, on peut... Ah, c'est pas par là qu'on rentre. Ah oui, non, oui, pardon, c'est par là. Qu'est-ce que je fous et les trous noirs du coup bah, nous permettent tout simplement d'accéder au centre de la... Enfin, au centre de la galaxie. De se rapprocher du centre de la galaxie du moins. Donc ce qui est plutôt bénéfique. Tac, alors oui effectivement c'est ici. Ouais je m'étais complètement trompé de... C'est pas grave, c'est pas grave. L'erreur est humaine. Tac. Bon par contre c'est un petit peu pénible. Ils auraient pu au moins augmenter le truc à 200 unités je trouve quand on est près d'une... Une station spatiale soi-disant. Oui puisque là on n'est pas près d'une station spatiale mais on est près d'une anomalie spatiale. Hein, voilà. Tac, bon, nickel. On est arrivé dedans. Donc je vais aller voir de quoi il s'agit. Hein. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors cette fois-ci c'est. Oula. Donc il parle bizarrement lui. Je vais voir le multi-outil quand même. Ça m'intéresse toujours de savoir. Combien il a de nouveaux multi-outils, 17 emplacements. Moi je crois que j'ai 18. Hein. Effectivement j'ai 18, voilà, j'ai 18. Imparfait, d'accord, il s'appelle Imparfait. Bon, c'est un truc qui nous permet de conjuguer les... Non, je rigole. Non, c'était nul, je sais. Bon. Ok, il nous propose la même chose que la dernière fois, donc là je vais pas être capable de répondre parce que je n'ai pas les données de survie, hein, n'est-ce pas? Donc on va directement se diriger vers toi là, bonsoir. Ok, tout doit s'achever, temps doit s'achever, données doivent survivre au centre début de galaxie, centre calme de la tornade. Votre voyage vital, attendre la fin, attendre la... Ok, donc en gros en fait tout ce que je comprends c'est que c'est impossible à comprendre ce qu'il dit. C'est vraiment n'importe quoi, je comprends rien du tout. Mais bon bref, en tout cas, on va voyager à travers un trou noir, bien sûr, un trou noir, du coup, pour accéder à un autre endroit, enfin, un trou de ver, pour être plus précis, parce qu'un trou noir, c'est juste la surface d'espace-temps, mais après, entre deux trous noirs, il y a un trou de ver. Bon, voilà, ça c'est un petit peu pour le vocabulaire d'astronomie. Par contre, ok, trou noir, où c'est qu'il est, pff. C'est un peu loin. Je sais même plus si j'ai assez de distorsion. Ah, mets-toi comme ça. Voilà. Alors, est-ce que j'ai assez... Oui, bon, déjà pour celui-là, j'ai assez de distorsion. Donc du coup, voilà, ça va nous permettre un petit peu
de parler, voilà. Donc effectivement, ça faisait longtemps que j'avais plus fait d'épisode de No Man's Sky. C'est pas que j'avais délaissé le jeu ou quoi. C'est juste que, bah, enfin, ces derniers temps plutôt, j'étais un petit peu plus occupé sur d'autres let's play, il est vrai. Enfin, comme Empire Galactic Survival, en l'occurrence. Mais aussi, ce que j'étais en train de faire, c'était que j'étais en train de récupérer de l'or. Parce que l'or, bon, c'est un matériau, certes, qui est moins cher que l'émeryl, mais en tout cas qui est assez cher. Donc du coup, c'est toujours sympa, voilà, d'avoir... Oh, mais quel beau système! On pourrait l'appeler pêche. Les couleurs un peu pêche. Bon, bref, c'est pas grave. Donc oui, en fait, voilà, c'était tout simplement parce que je voulais gagner un peu plus d'unités. Et du coup, voilà. Effectivement, ça va être un peu short, hein, je pense, au niveau de l'hyperpropulsion. Donc je pense que ça va nous occuper pendant tout l'épisode, en fait, le voyage vers ce trou noir. Parce que s'il faut encore que je récupère des ressources, que je fasse machin, que je fasse ça, enfin bref, je vais avoir plein de trucs à faire. Et donc du coup, voilà. Et effectivement, bah, c'est vrai que No Man's Sky, en fait, je trouve que ce jeu est assez délaissé. Bon, en même temps, quand on voit les commentaires qu'il a récoltés, toutes les évaluations négatives, c'est compréhensible. Hein, c'est tout à fait compréhensible. C'est légitime... par rapport aux gens qui ont mis ces évaluations là, parce que c'est vrai que quand tu payes un jeu à 60€ et qui marche pas, donc qui marche pas trop bien, c'est vrai que t'as un peu le seum. Bon, moi, voilà, je me suis acheté le jeu, mais c'était pour partager vraiment une passion avec vous, qui est la passion de l'espace et des jeux vidéo aussi, oui, parce que c'est un jeu vidéo d'espace. Enfin bref, mais en tout cas, oui, No Man's Sky, je trouve qu'il y a beaucoup moins de vidéos en fait qui se font. Et bon, vu que moi j'ai quand même envie, voilà, de vraiment d'approfondir le let's play. Oui, je sais, ça fait un peu trop sérieux pour une vidéo, mais enfin voilà. C'est vraiment, voilà, quelque chose que j'aimerais... Oh là là, ça a été rapide là, dis donc. C'est vraiment un let's play qui me tient à cœur et que je n'arrêterai pour aucun, d'accord, que je n'arrêterai pour aucun prétexte, sous aucun prétexte. Tant que je n'aurai pas fini le jeu au moins une fois. Oui, parce que je vous spoil déjà un petit peu. Il n'y a pas... Enfin, on peut faire... En fait, on peut le finir à l'infini, si vous voulez. Oh, elle était grosse, cette étoile, d'ailleurs. Tiens, tiens. C'était une naine blanche. Non, je dis ça, j'en sais rien, mais... C'était une grosse étoile, en tout cas. Et donc, oui, franchement... bon, alors... C'est vrai que, du coup, No Man's Sky, vu qu'il y a beaucoup moins de vidéos qui sont faites... Je peux en déduire, enfin, on peut tous en déduire que le jeu intéresse moins de gens, mais moi, mon but, c'est pas du tout d'intéresser beaucoup de personnes à la fois, c'est vraiment de, voilà, de partager. Putain, c'est beau ici, c'est super beau, c'est vraiment de partager tout ça avec vous, donc voilà. Et puis, après, si ça vous plaît, tant mieux aussi, mais en tout cas... Alors, on est où là par contre par rapport au trou noir? Ok, bah ça va, on devrait normalement... Je vais juste vérifier vite fait. Oui, c'est bon. On a tout juste de quoi atterrir au trou noir. Bon bah c'est parfait tout ça. Comme ça, eh ben, j'ai pas besoin de faire d'ellipse. Mais par contre, il va falloir que je récupère d'autres ressources par la suite. Je sais plus si j'ai assez de carbone, de plutonium, tout ça. Bon, du plutonium, ça je crois que ça va à peu près. Mais en tout cas, Bouvignoni, d'accord. On dirait presque un nom de ville ou de village français. Enfin, dans le centre de la France, en tout cas. Voilà. Alors, donc du coup, normalement, j'ai encore une cartouche de distorsion. Enfin, une cellule, pardon, cellule de distorsion. Région couronne, machin. Ok. Analyse trou noir, bon, bah ça c'est parfait. On va du coup s'y diriger et on va rentrer dans le trou noir. Enfin, on va passer dans le trou de verre plutôt. Voilà. Oula. C'est quoi ce bruit là? Putain, ça m'a pété les oreilles. Il y a eu un bruit de la musique là. Je crois que la direction artistique l'a mis un petit peu trop fort. Mais bon. Après, c'est vrai aussi, une chose est vraie, c'est que No Man's Sky, on pensait vraiment que ça allait être une figure emblématique du jeu vidéo. Enfin, comme Minecraft quoi. Alors que finalement, bah, on a été assez déçus. Enfin, moi, pour ma part, je suis un petit peu déçu de son optimisation, quand même. Ça aurait pu être un petit peu mieux optimisé, parce que, voilà. C'est vrai que quand t'achètes un jeu à 60€ comme ça, t'as pas forcément envie qu'il tourne mal, quoi.
Bon, alors en tout cas, on va entrer dans ce trou noir. Oh là là, oh là là. À chaque fois, c'est... À chaque fois, c'est le stress, alors qu'il n'y a aucune raison. Ok, bon. Bon, bah, j'espère qu'on va se rapprocher du centre, en tout cas. Ça pourrait être sympa. Ou alors, au moins, découvrir un nouveau système stellaire et pouvoir me poser en mode j'ai plus de carburant. Et... tout simplement collecter de nouvelles ressources. Vous avez découvert ceci le 18. Ouais, ouais, bon, bref. Voilà. Oh, c'est très joli ici aussi. C'est très joli. C'est sciant. C'est très beau. Ah, tiens, j'avais oublié de mettre celui-là. Oui, c'est vrai. Distance parcourue 50. Non, 581 000. Ah, oui, c'est vrai que j'avais oublié. Il me faut du. Ah, oh, j'ai plus de nickel. Oh, c'est nickel. Ouais, non, je rigole. Bon. Trajet vers le centre. Itinéraire vers le centre, pardon. Ouais, on n'est pas très très proche. Je vais juste regarder vite fait où est le centre. Where is the centre, please? Ok, the centre is vert. En fait, j'ai l'impression qu'il y a certains trous noirs qui peuvent nous éloigner. Donc, c'est pas cool, ça, par contre. Les trous noirs qui te t'éloignent du centre de la galaxie. Normalement c'est fait pour te rapprocher, mais non. Il y en a, j'ai l'impression que ça t'éloigne, donc bon. C'est pas grave, on va se débrouiller, mais bon. Inlankemeide, on dirait un nom allemand. Tiens, c'est drôle, l'autre on dirait un nom français, et ça on dirait un nom allemand. Ok, là il y a un truc, je vais vite fait me poser. Ah, c'est des Corvax par contre ici. Eh, mais est-ce que ce serait pas du nickel que je vois par là? Ou alors c'est de l'or, je sais pas. Je vais voir. Non, je pense que c'est de l'alu. Cratère de... Cratère. 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 Espèce de cratère. Cratère de Obleia, d'accord. Stérile. Alors attendez, je vais juste regarder les sentinelles. Oh merde, sentinelle moyenne. Ça fait chier ça. Sentinelle moyenne. C'est-à-dire que en gros, t'attaques un truc et... Direct, elle te... Ok, c'est de l'aluminium. Fausse alerte. Fausse alerte, fausse alerte. Tac, cratère de Obleia. Bon, on va essayer d'aller... Ouais, on va aller sauvegarder ce truc. Sauvegarder notre position. Tac. Après, on va ouvrir la cargaison et tout. Bon, alors par contre, ça fait quand même plusieurs épisodes que je me pose la même question. C'est comment on a... Tac, c'est ici, mais j'avais oublié. C'est comment on a des passes Atlas améliorées. C'est-à-dire des passes... Des passes V2. V3, parce que j'ai vu qu'il y avait des V2, des V3. Enfin bref. Ah d'accord, c'est un observatoire abandonné. Bon bah très bien. On va peut-être trouver des créatures assez douteuses. En tout cas, j'entends un truc au-dessus de moi. C'est pas très rassurant. Oh là là, oui, c'est pas très rassurant par ici. Plaque de blindage, bon ça je m'en fous un peu. Désolé, hein, mais bon, je m'en fous un peu. Tac, cargaison. Rien n'a été... Bah merci, merci, super. Ok. Oh là, il y a un truc qui bouge là. Est-ce là que nous sommes venus, machin, analyser le journal de bord? Je découvre quelque chose de codé, machin. Ok. Donc ça va encore être une nouvelle recette, hein, de toute façon. Ce plan déjà connu, merci, tu sers à rien, c'est pas grave. Oh là là là. Attends, oh là. Il y a de nouveau ce truc bizarre. Je vais peut-être pas l'attaquer. Attendez, multi-outil. Pourquoi je peux pas appuyer? Bah, c'est bête ça. D'accord. Une petite cargaison peut-être. S'il te plaît, merci. Putain, mais alors les cargaisons, franchement c'est... Ouais, oui, je m'en vais, je m'en vais. Au revoir. Au revoir, au revoir, créature... créature chelou. Tiens, c'est bizarre que je puisse pas appuyer avec mon... Ah si, là c'est bon. Voilà. Je me disais, what the fuck, je peux pas... Il y a une sentinelle dans le coin. On va se barrer, on va dire discrètement se barrer d'ici, hein. Parce que c'est quand même une planète moyenne au niveau des... Au niveau des sentinelles, donc du coup, bah, j'aimerais pas trop à aider simultanément pour activer le son. Ouais, bon, ça, je m'en fous. Je vais pas trop m'aventurer sur cette planète. On va aller autre part, hein. Alors, où c'est qu'on pourrait aller? Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Alors, il y a déjà une première planète par ici. Je vais voir un petit peu ce qu'ils nous disent, combien il y a de planètes, etc. Alors... Trois planètes, d'accord. Donc alors ça, c'est la deuxième, du coup. Oui, bah oui.
3 moins 1, 2. C'est très logique, merci. Par contre, elle est à combien? Ça, je veux juste savoir. 9. Ah non, 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 c'est... Oui, d'accord. J'ai lu 9 minutes, je me suis dit, what? C'est pas possible. Non, non, c'est juste que j'avais pas activé le pulse au réacteur une fois de plus. Tiens, on va faire des scans d'ailleurs. Parce qu'effectivement, c'est en scannant que vous découvrez les anomalies spatiales. Et c'est très intéressant de découvrir les anomalies spatiales parce que, eh bah du coup... Oui, bon, j'allais dire anomalie spatiale, ça veut dire un nouvel épisode. Oui, effectivement, mais enfin, c'est pas la première chose à quoi penser. Ça veut dire découverte de trous noirs. Et ça, c'est très important. Parce que si on veut prospérer dans cet univers... Ça m'a l'air d'être une planète glacée, dis donc. C'est très... Ouais, bon, c'est très intéressant, les planètes glacées aussi, mais... C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, justement. Donc, bon. Ok... À chaque fois, j'ai l'impression que le vaisseau, il est en train de cramer sous l'effet de la... Oh, il y a quelque chose, là. Il est en train de cramer sous l'effet de la... De l'entrance dans la... De l'entrance. Je sais même pas si ça se dit. De l'entrée dans l'atmosphère, pardon. Faible mesure de sécurité. Bon, ça va être bien. Flore généreux, faune commun. D'accord. Tu peux enlever ces doubles barres, là? On n'est pas au cinéma. Merci. Ok. Ça, c'est quoi? Est-ce que c'est un minerai? Non, c'est pas un minerai malheureusement. Faut que je trouve du nickel. Voilà. Faut que je trouve du nickel. Oh, il y a un truc ici. Serait-ce encore un truc abandonné? Je ne sais pas. Tac. Oula. Comment j'ai fait pour perdre la vie? S'il te plaît. J'étais en train d'amortir ma chute avec le jetpack. Bon, bref. Ou alors peut-être que c'est un truc qui fonctionne. Parce que regardez. Il en freeze comme ça. Voilà, c'est bon. Ok. Bah oui, quand je parlais de l'optimisation de No Man's Sky, effectivement, je ne mentais pas. C'est bel et bien une optimisation. Le jeu a été optimisé avec un cachalot, comme j'ai coutume de dire. Tac, parfait. Wow. Ah d'accord, c'est ce truc-là qui a... Je me suis dit, il y a eu un bruit bizarre. Alors ici, je pense qu'on est chez les Vi... Alors, je sais pas si on est chez les Vikings ou les Korvax, du coup. Je pense que c'est chez les Vikings. Donc ça veut dire qu'en fait l'autre oh c'est chiant ce bruit ça veut dire qu'en fait l'autre planète bah, on était bien chez les Korvax. Donc j'ai dit de la merde, c'est pas grave. Tac, ok, très bien. Bon, on découvre tout le temps des trucs en fait qu'on connaît déjà, donc oui, dans ce cas-là ça s'appelle pas des découvertes. Ok, très bien. Bon, et puis ce merdier, on entre par où? Oh, jolie fleur. D'accord, c'est du carbone en fait. Bon. Où est-ce qu'on entre? Ah d'accord, par ici. Ok. Ah non, c'est... Effectivement, c'est bien ce que je disais, on est chez les Vikings. Salut. D'accord. Chasseur de sentinelles. Ah tiens. Alors, les Vikings quand même, c'est ceux avec qui la communication est la plus dure, je trouve. Guerrier, isotope. D'accord, donc en fait, il veut... un isotope rare. Alors rare ou peu commun? Rare. Allez. L'explosion est énorme et détruit entièrement la cellule. What? D'accord, la douleur est immense. D'accord. J'aurais peut-être pas dû lui donner des isotopes. Mais il m'a un peu raconté des conneries. Tac. Bah santé au maximum. Elle est pas au maximum là. On va au moins essayer de déchiffrer ce truc, tu vois. Réflecteur et Bagu-Guango. Ok. Alors on m'a dit que ici, ça, c'était des indices. Donc ça veut dire qu'en fait, soit c'est un truc, soit en fait le message, c'est un truc qu'il n'y a pas dans cette série. Donc là, vous voyez, il y a un 3, un 9, un 8, et il n'y a pas de 7. Donc on peut partir sur le 7. C'est un truc assez simple. D'accord. Ok, très bien. Destination dans les profondeurs du cosmos. Oh, c'est encore un truc comme ça là. Ouais, ça c'est... J'aime pas trop les monolithes. Maintenant que j'ai les succès avec les mots là, ça va. D'accord, donc en fait il m'a pas vraiment montré où c'était. Enfin, il m'a vite fait désigner, mais... Bon, toi t'es méchant, toi. Toi on t'aime pas. T'es... Ouais, hein. Bon. Et puis par ici... Ok, ça s'est encore verrouillé à cause de... Ouais, c'est verrouillé à cause du Pass Atlas. Bah oui. Bon. Bah très bien.
c'était très peu productif tout ça. Oh attendez, je rêve ou il y a eu un espèce d'effet quand on a quitté le... Ah non. Non, c'est juste, je sais pas, il y a eu un problème avec... avec la sensibilité. Bon bref, bah en tout cas, je sais pas combien ça fait, combien de temps ça fait qu'on est en train de tourner. Mais je pense qu'on va pouvoir pas tarder, qu'on va pas pouvoir tarder, qu'on va pas tarder à s'arrêter là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me faut déjà pour faire des cellules de distorsion? Que je résume un peu. Bon, j'ai déjà des vapeurs à électrons, donc ça c'est pas mal. Ok, tac. Alors déjà, faudrait que je répare ce truc. Mais ce truc, il nécessite... Ok, vapeur à électrons, antimatière. J'ai pas assez d'iridium, il me faut de l'iridium. Bah on va aller chercher de l'iridium. Bah oui, l'iridium c'est un truc qui est assez abondant. Enfin, du moins quand on trouve. Parce que bon, c'est des grandes colonnes qui sont assez faciles à... Et c'est quoi ce truc là-bas? Tiens, j'aimerais bien aller voir. Bon, je pourrais prendre... Ouais, c'est vrai que... Hey, je pourrais prendre mon vaisseau quand même, hein. Parce que c'est légèrement loin. D'y aller à pied, ça prendrait un petit peu trop plombes. Donc, on va y aller plutôt... Oh, mon vaisseau est tout là-bas. D'accord. Ah oui, c'est vrai, il est derrière l'espèce de colonne là. De trucs bizarres. Tiens, on va récupérer ça. On va récupérer les petites bouboules. Ouais, c'est du tamium quoi. Tac. Tiens, il y en a plein du tamium ici. Il y en a ici, là-bas, là-haut. Enfin bref. Il y en a pas mal quoi. Hop. Par contre, un truc quand même qui est pas mal sur No Man's Sky, c'est la musique. Franchement, la musique se vaut... Enfin, la musique est quand même pas mal. C'est l'un des avantages du jeu. Oui, parce que le jeu, voilà, n'a pas que des avantages. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il est mal optimisé, ça a été une arnaque pour certains, mais faut pas non plus complètement taper dessus pour tout et n'importe quoi. Faut pas inventer en fait de faux arguments contre le jeu. Faut dire ce qui est vrai. C'est vrai que le jeu est mal optimisé, etc. Mais faut pas non plus, voilà. Ok, pourquoi il me fait monter? Ah oui, c'est à cause du... Je me suis dit pourquoi il me fait monter si haut. C'était à cause du truc en fait. Alors, où est notre truc que j'avais vu? Il est où l'espèce de colonne de minerai là? Tiens, on va se poser ici juste pour repérer un petit peu les lieux. Tac. Ok. Alors, où c'est que je l'avais vu mon truc? Je sais plus. Je sais plus du tout maintenant. Il m'a mis un doute. Parce que je sais pas si... je sais pas en fait si le truc s'affichait pas quand on était en vaisseau parce qu'on était trop loin ou quoi. Ou... Ah, il y en a un juste ici. Donc ça, je sais pas. Alors peut-être que c'est du cuivre, hein, peut-être que c'est du nickel. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas... Oh, bouclier au maximum, ça c'est très bien. C'est parfait. Oh. Ah d'accord, c'est juste des... qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est du cuivre. C'est du cuivre, fausse alerte. Bon. Où est notre vaisseau? Ah, il est là. C'est vrai, j'avais oublié. Bon, alors a priori, ces colonnes-là, c'est du cuivre, donc on va pas trop s'y intéresser. Mais en tout cas, l'autre truc, j'avais un doute. Je sais pas si c'était du cuivre ou du nickel, mais en tout cas, j'aurais bien aimé savoir. Bah tant pis, on va redécoller. Putain, je suis plus qu'à 25% de nouveau. Avant de commencer l'épisode, j'étais aussi à 25% et j'avais rechargé. Et là, du coup, je suis encore à 25%. Non, ça c'est du cuivre. Donc je cherche en fait des grosses colonnes. Ah, il y a de l'iridium là, regardez. Oh là là. Oh là là là, il y a de l'iridium. Ça, c'est plutôt cool. On va aller en récupérer un petit peu. Et puis, bah voilà quoi. Je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Non, bah pour la grande colonne là dont j'avais parlé, je sais pas. Hein. Ça, franchement, je sais pas où elle serait. Ah, j'ai plus que 8% dans mon rayon. Va falloir que je le recharge, dis donc. Ah bah oui, il va falloir que je le recharge, dis donc. Tac, alors on va essayer de prendre pas mal d'iridium. Histoire d'en avoir pas mal. Et histoire de continuer à prospérer dans ce monde. Ok. Alors, multi-outils, rayon d'extraction, plutonium, voilà. Plutonium, c'est le truc, je trouve, le plus efficace pour recharger les choses. Le matériel électronique, voilà. Et puis bon, ouais, bah pour du nickel, là,
C'est pas nickel du tout, hein. Je sais pas du tout où en trouver. Ce serait pas ce... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, c'est une grande colonne, justement, comme j'avais dit. Je sais pas si on a des chances d'en retrouver. Alors... Non, bah je crois pas qu'on... Je crois que je vois rien pour l'instant, en fait. Ouais, ou alors ce truc là, je sais pas. Ça a plus l'air de graviter en l'air. Non, c'est du cuivre, c'est du cuivre. C'est du cuivre, fausse alerte. Bon, bah écoutez mes chers viewers, je pense que je vais pouvoir vous dire à une prochaine, voilà. Donc c'était Sime pour ce nouvel épisode de No Man's Sky. Je vous dis à une prochaine. Et salut! Allez, au revoir!